Xavier, sais-tu qu'il y a eu perquisition par la police pour aller récupérer quelques malheureuses chaises chez BC? Espérons que la police fera preuve d'autant de zèle pour aller fouiller dans les comptes de HSBC. La semaine anti-répression s'est achevée par une manifestation joyeuse qui fut cependant violemment réprimée. La manifestation anniversaire du 22 février 2014 a eu lieu ce week-end. Objectif pour les organisateurs, garder en mémoire les événements et dénoncer les violences policières, sociales et économiques. L'idée, c'était de faire un après 22 février 2014. Donc, il y a un an, il y avait une énorme manif anti-aéroport qui avait réuni 50 000 personnes dans les rues de Nantes et qui avait donné lieu à plusieurs mutilés et blessés, notamment trois personnes avaient perdu un œil suite à des tirs de flashball. Il y en a très probablement d'autres qui ont été mutilés, mais on n'en a pas forcément connaissance. Ils ne se sont pas forcément signalés, et puis c'est pas toujours évident en fait de porter plainte contre la police globalement. Malgré ça, on est quand même assez nombreux à se dire que faut quand même retourner dans la rue. Faut la prendre cette rue, faut pas la laisser aux flics. Ces derniers temps, notamment dans les manifs du mois de novembre, suite à la mort de Rémi Fraisse, on a été complètement empêchés d'entrer dans le centre-ville. Et on voulait quand même qu'une manifestation ait lieu pour qu'on puisse se dire non, en fait, pour nos idées, on a le droit de manifester. Et ce droit-là, on le prend. Si le cortège a pu défiler jusqu'à son point d'arrivée, la tension est montée aux portes des quartiers populaires de la ville. Du grain à moudre pour les médias principaux qui n'ont retenu que les heurts entre forces de l'ordre et manifestants venus en découdre. Casti, blessé aux abords du stade de la Mosson à Montpellier en 2012. Ayoub, 17 ans, blessé pendant une intervention policière à Audincourt en 2011. Geoffrey, 16 ans, blessé lors d'un blocage d'un lycée contre la réforme des retraites en 2010 à Montreuil. Pour les collectifs de blessés, rien de surprenant. La liste va continuer de s'allonger, mais ils l'ont promis, la société civile de son côté va continuer de s'organiser.